we gon' burn it down. J'en ai marre, je vais faire un bêtisier à force. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Bienvenue aux nouveaux abonnés, pour ceux qui découvrent la chaîne Démonios. Aujourd'hui, on va parler carénage. Ouais, on va vous montrer comment rajeunir votre moto d'environ 10 ans. Pour ça, on a la société KZ Connect qui est venue, qui a fait le trajet donc de Avignon jusqu'à Grenoble aujourd'hui. La R6 Peace, que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans l'autre vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Elle sera en haut à droite de la vidéo. Tout à fait. Du coup, la R6 qui est de 2009, pour les personnes qui le savent, va rajeunir de 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a KZ Connect qui est venue à Grenoble, du coup spécialisé dans les carénages, avec des R6 ancienne génération qui passent en nouvelle génération. Ça, moi, je trouve super de pouvoir rajeunir comme ça les motos. Ils ont trouvé un système pour adapter ces différents carénages. C'est du plug and play, ouais. Vous allez le voir, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de repercer derrière, vous avez juste le carénage, vous prenez, vous le montez. Ouais, eux, ils préparent tout à l'avance. C'est tout ils fait. Partout, les petites attaches, la visserie. La qualité, elle est juste incroyable. La qualité, elle est géniale. Du coup, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat. Ça va être juste incroyable. Et ce qui est marrant aussi, c'est que du coup, on connaissait pas la couleur du tout des polis qui nous ont amenés. Donc là, on vient d'avoir la surprise. Ils sont juste là derrière nous. On va vous les montrer. C'est beau. C'est beau? Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, j'en dis pas plus. Vous allez voir aux images. Lui. Ouais, j'aime bien. Surtout, ce qui va être marrant pour cette vidéo, c'est que c'est nous-mêmes qui allons monter et vous montrer que c'est possible de pouvoir assembler les polis sur votre moto pour les remplacer. Parce que du coup, le gérant, donc Julien de KZ Connect, est ici. Mais c'est pas marrant si c'est lui qui fait le montage. Il connaît ses produits par cœur. Oui. Que nous, on va faire le montage. On va avoir un petit temps prédéfini pour le faire et on va voir si on va relever le défi de faire. Ouais, on va vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être mécano, pas besoin d'être ingénieur ou quoi. Nous-mêmes, on sait se débrouiller, on a des mains comme vous. On va le faire, on va essayer de finir avant ce soir, ça serait bien. Ouais. Le dimanche quand même. Ouais. Alors, on vous montre tout ça et puis ça va être sympa. À tout de suite. Ça y est les amis, Asté a fini de démonter sa moto, d'enlever les anciens polis du R6. Pour vous préciser, là on est chez ML Platinum. Donc je vais vous décrire un peu ce qu'il fait. Exactement, il fait du covering et du detailing auto. Donc voilà, c'est spécialement sur les voitures. Là effectivement j'ai une belle Ferrari juste à côté de moi. Il ne fait pas que des bolides, il fait tout type de véhicule bien évidemment. Donc voilà, comme ça vous pouvez le contacter si vous avez besoin d'un lustrage. Donc il est spécialisé surtout dans les lustrages auto. Il vous fait du nettoyage intérieur et du covering si vous avez besoin de changer la déco ou quoi que ce soit sur votre voiture. Voilà, donc ML Platinum à Vars. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Donc il nous a prêté gentiment son garage. Nous sommes avec Julien, donc le fondateur, le gérant de KZ. Il va se décrire en quelques mots. Il est venu ici pour ce projet aujourd'hui car il y a une petite nouveauté à présenter. Voilà, donc il va se décrire. D'où tu viens déjà exactement? Où c'est que vous êtes implanté? On est du côté d'Avignon. Voilà, juste au sud, pas très loin de quelques circuits comme les deux noms. Oui, qu'on connaît bien. Voilà. Connaît très bien. Forcément, ouais. Beaucoup le connaissent. Et qu'est-ce que, en quelques mots, qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu proposes aux clients? Du polypiste, avec la particularité du prêt à monter. Du prêt à peindre n'existe pas, puisque ouais. De toute façon, que ce soit du blanc, du noir ou de la couleur, au niveau du process de fabrication, c'est du pareil au même. Ouais. C'est vrai que généralement, quand on voit des polis sur internet, on les voit blancs bruts.
Après, c'est à nous de le peindre. Que là, directement, toi, tu proposes des couleurs, des coloris. Directement, en teinté masse, ouais. Donc sans peinture, et avec la particularité d'avoir un poli avec beaucoup plus de pièces que mes concurrents, ouais. Mais qui permet l'interchangeabilité des pièces, notamment en cas de chute, mais sur 10 minutes, en 10 minutes, voilà, vous recevez vos pièces abîmées, enfin neuves, pour remplacer les pièces abîmées. En 10 minutes, c'est remplacé, vous retournez rouler et terminé, ouais. Quoi. Ok. Au niveau des coloris, est-ce que moi, si je veux par exemple l'avant qui soit de couleur bleue et mettre la boucle arrière rouge, est-ce que ça c'est possible ? En fait, oui, tout est possible. C'est vrai qu'à la base, sur le site, on propose essentiellement soit du teint uni, soit du biton. Un biton qui va reprendre un petit peu le style origine oui. de la marque, bon, essentiellement Yamaha pour l'instant. Désolé pour ceux qui attendent d'autres marques. Ça arrive prochainement. Oui. Ouais. Très prochainement, dès que j'y arriverai. On peut pas être partout. Dès qu'on aura des jours qui font plus de 24 heures. C'est ça, voilà. Compliqué. Et je peux aussi proposer donc un petit visuel Photoshop ça, déjà bien, pour ça. Se projeter, avoir un pré-rendu déjà visuel pour savoir ce qu'on veut, etc. Ça permet de. Ça permet de se donner une image voilà. En tête, sachant que d'avoir un visuel à l'origine physique. Sur le site, effectivement, quand on sélectionnait les couleurs, les visuels changeaient, etc. Mmh. Bon là, comme j'ai poussé plus loin dernièrement la possibilité du biton, avant j'avais essentiellement la base noire et on changeait qu'une seule couleur. Oui. Bon là, sur le site, c'est encore en amélioration, mais j'ai tous les visuels à travailler dorénavant okay. Pour ça que va venir. Quand on clique toutes les couleurs, et toutes les couleurs puissent changer. Et pour reparler du projet d'aujourd'hui, pour vous préciser, comme on a dit en début de vidéo, donc le but est vraiment que la moto de Asté, Demonios, de 2009 passe sur les carénages récents de la R6 de 2017. Voilà. On va avoir un gros défi aujourd'hui, c'est qu'on va le faire nous, tous les deux. Sous ma supervision, on va sous, dire. Voilà, donc on va avoir le chef qui va nous surveiller. On est un peu stressé du coup. Non, ça va le faire. Oui. Sachant que j'ai amené le poli en mode comme s'il sortait du carton, c'est-à-dire avec les petits prémontages à faire au préalable, voilà, pour qu'il aussi donner l'information de comment ça se passe quand vous recevez votre poli de chez nous et ce que vous avez à faire sur la moto pour. C'est du plug and play de toute façon. C'est du plug and play. Il y aura des petites précisions qui seront amenées peut-être en fin de vidéo et sur des petits détails par rapport aux différentes versions. Comme c'est l'adaptation, l'adaptation se monte aussi sur 2006 et 2008. Mais il y a des petites variantes quand même, ce qui me permettra de les expliquer. Et puis voilà, et votre défi. On va y arriver. Oui. C'est que tout soit monté donc en. En combien de temps ? Moins de 50 minutes. Oui, large. Bon. Oui, ça va le faire, 50 minutes. Avec la main gauche, c'est de... Ouais, on va devoir y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai une petite question. Si je suis tout seul chez moi, j'ai commandé ton kit carré, ton pack poly, est-ce que je peux te contacter par téléphone si j'ai une petite question ? Non. Non, c'est pas... Non, but, en fait... Je reste joignable, dans tous les cas. Beaucoup de clients, de toute façon, parfois... que ce soit avant ou après l'achat, de toute façon, me contacte déjà par mail. En règle générale, c'est je laisse mon numéro, appelez-moi. Ouais. C'est parfois plus simple d'expliquer certaines choses par téléphone. Et même après, les clients, pour beaucoup, je leur réponds. Si vous avez la moindre question au montage, vous m'appelez. Oui, vous. C'est bien de pouvoir contacter le vendeur derrière. C'est un plus. C'est rassurant, c'est un plus. Oui. Ça fait partie du SAV, du voilà, voilà. Ok, maintenant, on va passer au vif du sujet. La couleur, on va la dévoiler. C'est aussi l'occasion, là, pour le coup, par rapport à Demonios, d'avoir relevé un petit défi. C'est vrai qu'on me le demande régulièrement. Il a fallu quelques tests quand même, etc. Là, c'est vraiment le premier test grandeur nature. Et ça va être l'occasion de vous dévoiler une nouvelle teinte. Qui est juste là. Qui est juste derrière premiers, nous. On est les premiers, du coup, à pouvoir tester ce bénéficier. Type de couleur. Ça sera décliné, ça sera proposé un peu plus tard, parce que forcément que toutes les autres déclinaisons, il va falloir que je les teste aussi. Me harcelez pas pour ceux qui attendent ça depuis un moment, mais ça viendra rapidement. Voilà. Pour l'instant, je suis le seul. Alors, faut pas leur harceler. Oui. J'y arrive bientôt, moi aussi. Là, on va vous dévoiler du coup la couleur. Je pense que vous êtes impatient de savoir. On peut la montrer ? Bah,
maintenant je vais m'attaquer au montage des nouveaux carénages. Je vais demander à Julien, du coup, il va me donner quelques petites indications par quoi commencer, voilà, comment vraiment être structuré au niveau du montage, les petits indices qu'on peut avoir pour éviter de perdre du temps. Donc, Julien, par où je peux commencer pour éviter de me perdre et... Alors, comme je disais tout à l'heure, voilà, on l'a amené tel que on l'emballe dans le carton, tel que le client le reçoit. Donc effectivement, tu as déjà en premier lieu à préparer ton manchon d'air, le support compteur qui permet précisément justement l'adaptation du look 2017, okay, sur les modèles 2006 et 2008. Donc chose que j'ai démonté du coup sur... Que tu as démonté sur la moto, parce que quoi qu'il arrive, si vous conservez votre araignée 2006 ou 2008, le poly ne peut pas se monter dessus. Okay, d'accord. Donc même si c'est une pièce en option chez nous, malgré tout, elle reste recommandée pour un premier montage. Quelqu'un qui est déjà équipé chez nous, qui a déjà le manchon, qui veut se reprendre juste un poly de base pour refaire un coup de propre sur sa moto, il n'est pas nécessaire de le recommander. Ok. Donc, première chose à faire, c'est déjà de monter ton compteur dessus. D'accord. Et de le monter sur la moto, de faire les branchements derrière, tu as de quoi mettre tes sondes, et ça c'est bon, ça c'est réglé. Deuxième élément, il faut faire le pré-montage de ces pièces-là. Ces pièces-là, on les envoie, on les expédie, démonter pour des raisons de sécurité d'expédition. D'accord. Donc du coup, oui, c'est pour éviter la casse, les voilà, choses comme ça. Voilà, c'est ça. Parce que, avant, on envoyait tout monter, mais ça nous a coûté quelques casses, donc quelques pièces à renvoyer au client, etc. Donc du coup, dorénavant, ça, on l'envoie démonter. Donc il faut prémonter le bloc face avant. D'accord. Dernier élément, la coque arrière, qu'on envoie pour le coup, elle, montée, oui, parce que là, pour le coup, ça sécurise un peu mieux les éléments entre eux. Facilité de stockage. Voilà. Donc, elle, par contre, il faut la démonter au préalable pour pouvoir ensuite la monter sur la moto. D'accord. Donc tout se passe par le dessus. Et en dessous, il y a le support de selle, okay, qu'il faudra aussi démonter donc, du passage de roue. Mmh. Et à l'inverse, sur la moto, la première pièce qui sera montée, ce sera le support de selle. D'accord. Ensuite, le passage de roue. Et, en dernier, et ensuite, la selle. Ok. Donc le démontage fait par les. Par les 4 vis. Il y a tendance 5 vis. Voilà. Okay. Parce que donc la selle, en fait, elle-même, elle va jusqu'au bout. D'accord. Okay. Super. On va lancer le chrono du coup. C'est parti. Alors, oh, c'est Koh-Lanta. Là, on a la pression. Là, c'est Koh-Lanta. J'en ai la pression. Je les ai dans l'ordre. Déjà, ils sont dans l'ordre. Alors, déjà, mettez ici un bloc. Oui, ce sera peut-être mieux. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Mais ce qui est bien, du coup, c'est que vu que je filme. Ouais, toi, tu vas rien faire. Tu crois. Oui, crois-le, bien sûr. Exactement. Du coup, ça va faire bizarre d'avoir une R6 nouvelle génération avec un ancien compteur. C'est ça. Ben, prochainement, compteur KZ. Compteur KZ. Chacun son métier. Ouais. Et là, Julien me dit, bah non, tu l'as monté à l'envers. Ah merde. Non, c'est dans le bon sens, ça, quand même. Oui. Bah non, il vient comme ça. Ouais. Bah, c'est parce qu'en fait, tu as besoin de regarder. Ouais, je me disais, c'est mieux. Tu sors ta moto pour regarder la vie. C'est pour la 360. Tant que tu prends donc, Julien, juste une petite question au niveau de la visserie. Est-ce qu'on a le choix avec des vis quart de tour ou de la vis basique? Oui, alors par défaut, il y a de la visserie classique, en fait, BTR en inox, avec des petites agrafes filetées. Faut pas confondre avec la petite visserie M4 qui va servir notamment au pré-montage, oui, notamment du bloc face avant, par exemple, ou okay, des écopes à l'arrière. Ou ça, c'est de la visserie que bah, tant que vous ne chutez pas, c'est, vous n'êtes pas censé les démonter. Donc toute la petite visserie M4, c'est uniquement pour les prémontages. Et pour ce qui est des montages classiques, donc il y a la visserie M5 avec agrafe. Et en option, on propose aussi les quarts de tour, donc les vrais Zeus sous SCO, et qui sont en option. Et si la personne prend l'option des Zeus, ça vient remplacer la visserie par défaut sur le poly. Sachant que toute la visserie, excuse-moi, je te coupe, la visserie est déjà en lieu et place sur les carénages quand vous les recevez. Ok. Voilà. Et pour juste indiquer l'avantage des quarts de tour, c'est que, comme son nom l'indique, on a juste un quart de tour à faire. C'est ça. C'est plus rapide au montage et au démontage. Après, il y en a qui ce qui fait que, moins. Comme là, on est notamment sur une version vissée, oui, et je pense que sur un montage avec les quarts de tour, vous allez gagner, là, sur le montage global, 10 minutes, un quart d'heure. Quoi. 10 minutes, oui. Bon. Voilà. Et qu'il y a une couche de carbone Kevlar intégrale de chaque côté. Et en plus, pour minimiser les risques de frottement, on rajoute un deuxième carré de carbone Kevlar à cet endroit-là. On le voit là, si je mets mes mains comme ça, là, on voit l'épaisseur qu'il y a quand même. C'est peut-être l'épaisseur, ouais. Après, on plus, parce qu'on met le carré en premier et la couche intégrale après. Plus simple, on vient écarter un petit peu. Hop. Tout simplement. Amortisseur de direction. En place. Donc là, t'attaques quoi là?
Bah, je suis en train de démonter la coque arrière. Justement, du coup, comme disait Julien, elle est livrée montée comme ça. Mais il faut la démonter en fait pour pouvoir mettre la partie qui est en dessous là en premier. Ouais, il y a trois parties dessus. Ouais, c'est ça. Okay. À quoi servent ces petits trous là ici? Ah, ça c'est l'invention ça. Je sais. Petite idée à la con qui permet tout simplement de pouvoir régler ton dosseret en profondeur. Pour ceux qui ne reculent pas complètement. Okay. Ça m'est arrivé d'accord, sur des polis de voir des gars qui mettaient des gros blocs de mousse de 10 cm d'épaisseur. Hein. C'était assez moche. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, si le dosseret, on le faisait réglable. Et puis voilà. Bah, c'est génial. Si, c'est là. Ah. Donc maintenant, c'est cette partie. Merci beaucoup. Passage de roue. Elle est belle cette pièce. On découvre en même temps que vous. Hein. Ah oui. Ne m'assassinez pas si je fais des bêtises. Pour l'instant, on est bon, coach. Pour l'instant, ça va. Ouais, moi, je pense que là, va falloir écarter un petit peu pour venir y mettre. Ah plutôt. D'accord. Non, ah oui, en fait. Ah oui. Non, mais en fait, non. C'est encore plus simple. Hein. Ouais. C'est une FT06. Bon, regardez avec quoi on travaille aussi. Ouais. On n'a pas bien les outils adaptés pour le projet. Pour vous montrer que même, ouais. Même sans outils adaptés, ça peut se faire. C'est un peu plus long. Hein. Oui. Bon. Du coup, ouais, on perd un peu de temps là-dessus. Pour l'instant, on est à combien hein? On est à 37. 37 minutes. 37 minutes avec des outils pas trop faits pour, j'ai envie de dire. Donc ça va, c'est pas mal. Avec des outils de Playmobil, quoi. Ouais, d'ailleurs. Ah Ludo, c'est bon. Ouais, ok. Utile sur piste. Et là du coup, bah, ça y va parfaitement. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'au niveau montage, on est sur un niveau Lego. Et les flex, tu peux tirer la pièce pour qu'elle aille là ou celle de la pointe. Simplement, j'adore, c'est là, là. C'est ce détail ici, là, c'est jaune et cette partie en noir là, les feux normalement, là. Les deux vis de moitié. Une heure, ça y est. Arrive donc le sabot, où bah, pour ceux qui connaissent déjà, vous trouverez dans le carton, notamment avec les petites visseries, une petite patte, pour ce qui est de l'adaptation. Cette petite patte, c'est la patte d'origine Yamaha, voilà, vous avez même la référence. Hein. Qui permet de venir remplacer cette patte là. Voilà. Okay. Et ça c'est la patte de 2008. Ouais. Donc celle-ci c'est la patte de 2017. De 2017. Ok. Okay. Petite précision. Oui. Donc ça c'est pour le 2008 et notamment pour les 2006. Vous avez également, voilà. En fait, c'est que quand vous regardez sous le moteur, vous avez aussi ces points de fixation là, normalement, pour ceux qui ne les ont pas virés. Les deux autres points de fixation qui se trouvent notamment sous le moteur à ce niveau-là, en fait, vous avez le même de l'autre côté. Ce sont donc des petites pattes vissées sur le bâtimoteur. Sont identiques entre le 2008 et le 2017. Et pour le 2006, elles sont différentes. Donc pour le 2006, je fournis également ces deux pattes-là. Ok. Ah oui. Qu'on fournit donc dans le carton avec l'adaptation 2006 qui permet donc de remplacer ces deux pattes sous le moteur. Donc c'est pour ça que pour les versions 2006, vous recevez les trois pattes. D'accord. Et idem le Yamaha en puissance. Voilà, directement, on les achète directement chez Yamaha, comme ça au moins il n'y a pas de souci d'adaptabilité. Quoi. Changement de pattes. Ah bah c'est bon. Le sabot tout bon. Oui. Et n'empêche, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on n'a pas du tout la pression du coach derrière. On est bon pour l'instant, toujours encore? Ouais, pas trop. Hein. Ouais. 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 Bon, niveau temps. Combien, Réa? Une heure? 9 minutes. Voilà. 1h10 pratiquement. Duche.
c'est la dernière. Hop, la dernière partie. La dernière. Enfin, dernière avant dernière, après il reste le. Ouais, il reste le garbo. Il lâche tout. On a comme ça dessus. Voilà. Ça y est les amis, 1h25, on a presque fini. Là Anto il met la dernière pièce, donc le lèche-roue avant, ça fait 10 minutes, non. Donc on en est vraiment à 1h26 de montage, on a eu quelques petits soucis au niveau de... des outils, voilà, où on a perdu du temps. Mais ouais, sinon, sincèrement, en combien de temps? En 1 heure? Ouais, une heure, allez, une bonne heure, c'est largement faisable. Avec le bon outillage, avec le bon outillage, exactement. Donc, avec une bonne heure d'assemblage, bah, vous allez changer complètement le look de votre moto. Seul petit inconvénient qu'on a eu lors du montage, de l'assemblage, on a dû découper au niveau du sabot. Ici, je sais même plus où est la partie. Par derrière, c'est par derrière en fait. Au-dessus. Ouais, par-dessus. Voilà, on a dû découper la partie. On doit passer en dessous. Voilà, ouais, ici, petite voilà. Encoche. Une petite encoche. Au sélecteur de type adaptable que vous pouvez mettre, ils n'ont pas tous les mêmes passages, les mêmes encombrements. Donc effectivement, on ne peut pas s'adapter à tout non plus. Donc voilà, selon le modèle que vous montez sur votre moto, il se peut que vous ayez une petite découpe à faire. Mais c'est la seule modif. On n'a vraiment eu que ça à faire. Le reste, ça allait tout nickel, les vis, enfin les trous. En face des trous. On peut le dire, les trous en face des trous. Et puis sinon non, c'était parfait. Donc voilà, je pense compter une bonne heure pour faire tout ça. Donc c'est largement réalisable. Après nous on a pris de la visserie, on a pris des vis, on n'a pas pris les quarts de tour. Les quarts de tour c'est encore plus rapide. Donc c'est un gain de temps aussi. Les flancs seraient montés en 4 secondes. En 4 secondes, donc voilà, c'est. Au lieu de 4 minutes. Ouais. Donc si tu fais 4 minutes par vis, du coup, ben, on atterrit sur moins d'une heure. Voilà, largement. Moins d'une heure largement pour faire tout ça. Dernière vis. Ça y est. Terminé. Terminé. C'est on terminé. Je vais prendre un peu de recul. Je vais regarder. Attends, avant ça déjà, le défi, il est validé. Non. Non. Ah. Objectivement, bon. Non. Comment dire? Avec des outils... J'ai envie de dire, voilà, il y avait la pénalité qu'on n'avait pas compté le départ, j'ai envie de dire oui, quand même. Oui. Voilà. Bon, après, il faut savoir que, voilà, on avait des outils qui n'étaient pas forcément adaptés, on va dire, à la réalisation du montage du poly. Mais du coup, vous pouvez voir qu'en une heure, combien on a mis? 1h25? Allez, on va dire 1h30. 1h30. 1h30, même avec des outils qui ne sont pas forcément adéquats, on y arrivait, quoi. Enfin, ouais. Rien de sorcier. On a fait du montage avec des clés BTR comme ça quoi. Voilà. Dernière petite précision, au niveau du réservoir, alors effectivement, notre protection ne recouvre pas intégralement le réservoir, ce qui fait que si vous n'avez pas la bonne couleur dessus, ça peut faire moche. Petite solution qu'on recommande régulièrement à nos clients. Vous pouvez faire appel éventuellement si vous connaissez quelqu'un qui fait des kits déco, il aura certainement de quoi faire un petit covering simple. Il y a besoin d'un morceau de 50 par 50 oui, de covering et ça permet de venir unifier le tout à moindre coût sans partir chez le carrossier et en avoir pour 300 balles de peinture de réservoir. C'est ça, exactement, juste pour cette partie. Du coup, en conclusion, déjà ouais, au premier abord, ben, les carénages c'est d'une qualité, c'est impressionnant par rapport à ce que j'avais avant, même ce qui peut se faire, ce que j'ai déjà eu et ce que je peux voir régulièrement sur piste. La qualité de montage, la qualité de finition, on voit déjà qu'on est sur quelqu'un de passionné, hein, Julien, clairement, voilà. Ah, complètement. Quand il te parle de ses carénages, tu sens que bah, c'est son bébé, c'est son bijou. Donc voilà, vraiment déjà, c'est la première chose. Je trouve que la finition, elle est juste incroyable. Après, niveau montage, bah, c'est super simple. Moi, clairement, c'est, on va dire, une des premières fois où je fais un montage complet. Et vraiment c'est vraiment à la portée de tout le monde quoi. Ouais, vraiment. Et puis esthétiquement le jaune comme ça pour du coup un premier essai c'est voilà quoi, il y a même pas de mots Moi je te cache pas, j'aime bien, voilà. Ah, j'aime bon bien jaune, ouais. C'est bizarre ça. C'est étonnant. Non vraiment c'est bah, voilà, il y a même pas besoin de dire grand chose en fait, juste je pense que vous le voyez directement en vidéo.
C'est juste, c'est sublime, quoi. Vraiment. Combien d'heures tu passes à fabriquer tout ça? Ben, un poli complet, c'est à peu près 35 heures de travail. 35 heures de travail, voilà. Pour un pack comme ça. Voilà, donc c'est du boulot. Même s'il n'y a pas de peinture, malgré tout, enfin bon, il y a quand même tout l'aspect de finition, le petit coup de noir mat à l'intérieur des pièces, etc. Donc tout l'aspect finition représente quasiment quand même presque un tiers du temps de travail dessus. Au passage, les amis, on remercie grandement Ludo, donc qui est le propriétaire du garage ici, donc ML Platinum, qui nous a prêté gentiment les locaux pour justement tourner cette vidéo pour les polis de KZ, de la marque KZ. Donc, en quelques mots, je te présente toi, dis ce que tu fais. Donc, on t'écoute. Ben, nous, c'est le garage ML Platinum. On fait tout ce qui est covering, lustrage auto, traitement en céramique, traitement téflon. On fait un petit peu aussi de location de voitures haut de gamme pour les mariages. Et pour le plaisir aussi. Oh, on fait du nettoyage auto aussi, du detailing aussi. Ouais. Le detailing, qu'est-ce que ça comprend? C'est quoi? C'est lustrage, ouais. Ouais, c'est du nettoyage de précision. De précision. Poussé, ouais. Intérieur, ouais. Aussi. Intérieur des et véhicules. Extérieur, exactement. Okay. On a vu aussi que tu avais quelques bolides devant le garage. C'est ça, ouais. Est-ce que justement ça concerne que des clients avec des véhicules comme ça ou c'est vraiment? Non, pour tout le monde? Ça prend de tout. On va être la petite voiture citadine de tous les jours, ouais. Ou véhicule haut de gamme, style Ferrari, qu'on pose dessus des films PPF. D'accord. C'est des films de protection aussi pour, ouais, la carrosserie. Des films transparents. Ouais, c'est ça, ouais. En plus du covering. D'accord. Ouais, donc vraiment tout le monde peut venir pour. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va de la plus petite voiture à la plus grosse, quoi. On peut te contacter sur Instagram. Instagram, ouais, ML Platinum. Ouais, et on Facebook. Ici. Ouais. Et Facebook aussi, ML Platinum. Pareil. Puis encore merci à toi. Bah, merci à vous, hein. On a passé une bonne journée. Oui, c'était sympa. Ouais, c'était cool. Ouais. Merci Ludo. Merci. Eh ben, en tout cas, un grand merci à toi, enfin je dirais plutôt à vous, d'avoir fait le voyage jusqu'ici, de m'avoir fait ce magnifique poli complet. Vraiment un grand merci, et puis j'espère que on s'est vu une fois, j'espère que ce ne sera pas la seule fois. Il y aura d'autres occasions. Et un grand merci à vous aussi pour l'accueil, pour justement avoir fait en sorte d'avoir aussi ce lieu de chez Ludo. Qui permet de faire cette petite vidéo et de votre convivialité, de votre sympathie et ben merci beaucoup. Et de votre confiance. Vraiment, merci, merci. Un grand plaisir. Et bon retour à vous, du coup, dans votre maison. À Avignon. Bon courage pour la reprise de la semaine. C'est ça. Aussi. C'est ça. Parce que ça va repartir du coup sur les chapeaux de roue. Dès demain. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Salut. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, donnez votre avis en commentaire. Pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Démonios. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.